Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Rome 2 Total War. Et on va profiter du fait que Frostpunk est terminé pour accélérer un petit peu le rythme et essayer d'avancer cette campagne, parce que mine de rien, c'est un petit peu long. On avait donc pas mal de choses à faire. Donc ici, on avait deux armées qui étaient parties pour attaquer Barion. Une armée de merde et une armée un petit peu moins de merde. Donc Barion va avoir peut-être un peu de mal à s'en tirer tout seul. On a la possibilité d'aller l'aider. On a la possibilité de déclencher un combat nous-mêmes en allant se mettre au milieu, mais ça paraît quand même assez compliqué. Lui peut venir en marche forcée, renforcer lui, mais il pourra pas attaquer directement. Je pense qu'il pourra pas attaquer ici non plus, sauf s'il est en marche forcée. Parce qu'on voit que son déplacement s'arrête quasiment là. Donc je pense qu'on va aller renforcer Barion. Et en plus il y a une mini-armée qui arrive de l'autre côté. On va aller renforcer Barion pour ce coup-là. On a un petit peu de sous. Donc cette armée-là, elle fera rien de mal. Hein. Si jamais elle se relance à l'attaque, on la terminera. Ici, on est toujours ennemi avec ces gens. Qui est en train, je crois, de ramener des armées contre nous. Alors, on avait la possibilité d'essayer d'assassiner elle. Avec 33% de chance, c'est pas lourd. C'est pas très très lourd du tout, même. Est-ce qu'elle est prévenue? Non, elle vole des revenus et tout, donc non. On va essayer de la buter. On verra bien ce que ça donne. Et on a été blessé. Et ben voilà. Du coup, ça ne donne rien. Comme ça, c'est fait. Est-ce qu'on peut essayer de voler celui-là, du coup, vu qu'il n'est pas en garde, lui? Voilà, on a réussi à lui voler, donc du coup on est revenu avec plein de blé, ce qui est cool, et en plus on a un niveau, ce qui est doublement cool. On va améliorer le vol, tant qu'à faire. Alors, et ici? On pourrait réduire la portée de ravitaillement de cette armée. La portée de déplacement. On va essayer de réduire la portée de déplacement de cette armée-là. Pour essayer de faire en sorte qu'elle ne puisse que aller là en fait. Et pas attaquer par là. Parfait, on a réussi. Et on a un petit niveau. Alors. Non, ça c'est bof. Menace. Ouais. Moins 5 de déplacement. Plus de succès contre les agents et généraux. Ouais, c'est pas mal. J'ai pas envie d'en faire un voleur de celle-là. Je vais peut-être y arriver. Réseau. C'est où qu'on pourrait améliorer les trucs de les trucs le truc qu'elle a fait là, désorganiser l'armée. 5 de visée, 4% de chance de réussir. Donc ça, il faut qu'il soit dans une armée pour que ça soit intéressant. Ici on a quoi? Brûler les munitions. C'est pas mal ça. Moins 1 de corruption dans toute la faction, c'est pas mal aussi. Allez, on va partir du coup là-dessus, sur fournisseur. Faudra qu'on la mette dans une armée. Mais elle pourra rester dans une armée et la quitter quand il n'y a plus besoin d'elle. C'est parfait. Alors ici, donc comme je vous le montre, hein, je ne peux pas convertir le bâtiment. Bon là j'ai pas les sous, mais c'est bien marqué construction impossible, vous devez réparer le bâtiment avant de l'améliorer. Donc voilà, je vous montre, on ne peut pas tout simplement convertir un bâtiment tant qu'il n'est pas réparé. Est-ce qu'avec le blé qu'on a, on a des trucs intéressants à réparer? Ça c'est trop cher, ça on pourrait, ça c'est trop cher. Amandura, on était en train de convertir en speed. On pourrait construire, mais on n'a pas les sous. Ouais, est-ce que ça vaut le coup de. Ça c'est un lieu de rassemblement. Plus d'ordre public, plus de richesse. Ouais, on va dépenser un petit peu de sous pour le réparer. On va rester dans le coin.
pour essayer de protéger contre une contre-attaque de ces cons là. Ta race normalement est bien protégée. La rébellion ne devrait pas péter tout de suite. Au niveau bouffe, on n'était pas ouf. Ah, on a une armée qui a une tradition pas faite. Autant pour moi. C'est ici. Ah bah c'est eux. Donc eux, ils sont disciples du camp plus plus. Qu'est-ce qu'il peut faire de beau? Armée de vétérans. Plus en expérience pour toutes les recrues, plus de morale. Plus de déplacement, plus de bonus de charge. Plus 3% de vitesse de déplacement pour toutes les unités, plus de déplacement, ouais, c'est pas mal. Plus de revenus provenant des pillages. Ouais. Plus 5% de portée des renforts, bof. Loyaux défenseurs, non. On va prendre, je pense. On va prendre ça. Plus de portée de déplacement et plus de vitesse des unités. Ça me paraît pas mal. Nos revenus sont pas ouf. Je pense que niveau commerce, on pouvait pas faire de miracle. Ils sont toujours pas. Vous êtes en territoire civilisé à présent. Ils ont toujours pas envie de, malheureusement, de commercer. Faut qu'on arrive éventuellement à rencontrer les Aritim. Peut-être que comme on est potes avec les Étrusques, ils voudraient bien faire des trucs. Est-ce qu'on peut faire des choses avec eux, des pas de non-agression, non? Ah non, avec eux, bah non, non, c'est meurt. Pardon. Y a que eux ou éventuellement on pourrait faire des trucs. Non. Alors, ils nous aiment bien, mais c'est pas encore dingue. Allez, on passe le tour. Et on va regarder comment ça se passe. Donc on a d'autres petites galères qui se baladent. Continue, et la Ligue Étrusque a l'air super puissante. Hein. Ah, ici, il nous prépare une attaque par là, du coup. Ah, bien joué, effectivement. Avec ses renforts. Bon, c'est deux armées de merde, donc on est potentiellement bien. On va donc la jouer. Effectivement, j'avais pas vu cette possibilité-là, donc sortir non. On va bien entendu tenir la ville. Alors, je sais plus si on a déjà fait une bataille dans cette ville en défense, je crois pas. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc son armée est encore un peu dans le mal, hein, mais il s'était enfui avant qu'on lui fasse très mal, malheureusement. Il a pris une cave mercenaire qui va probablement se faire dépiauter, et c'est surtout son général qui va être relou, d'autant que c'est des tireurs. On va voir comment on peut gérer ça. Alors, à quoi ressemble la ville? Donc déjà, lui, il s'est mis là-bas. Ok. Donc le truc à défendre serait ici, mais franchement, on s'en fout. Donc bonus de morale pour toutes les unités dans la zone d'influence, mais voilà quoi. Ça fait une zone beaucoup trop large à défendre, je trouve. Alors après, où sont les endroits où il pourrait passer? Ici, il peut pas. Ici, il y a moyen de passer. Ici, il y a moyen de passer. Ouais, en même temps, on va être obligé de se poser quand même dans le coin, hein, parce qu'on a juste pas beaucoup d'autres endroits où se mettre. Ça m'emmerde parce qu'on va devoir encaisser les frondeurs en pleine face. Si je me mets dans le coin là, là. Un truc comme ça changera rien. Il va devoir. Enfin, il pourra toujours me tirer dessus. Donc on va se mettre là, du coup, avec nos lanciers haut de gamme. On va mettre les frondeurs juste derrière. On va les reculer un peu, eux, même. Voilà, on va mettre les frondeurs juste derrière pour défoncer tout ce qui voudrait s'approcher. On a une cavalerie. Alors la cavalerie, on va la laisser à l'arrière. On va mettre une unité de lanciers par là. Eux, on va les placer là. Je mets les frondeurs devant parce que je veux qu'ils veuillent tirer plus loin. Eux tireront sur ce qui s'approche, tout simplement. Et le reste des troupes va rester en renfort. Il reste juste la cave. C'est parti.
Ça va être une grosse baston, hein. Très très clairement. Les renforts ennemis sont en approche. Ah, et les renforts ennemis arrivent dans le dos. Mais nous ne céderons pas. Bon, en même temps, ils sont hyper loin, donc on n'a pas besoin de s'en inquiéter tout de suite. Alors, visiblement, il veut passer par le... Il veut faire le tour. Ce qui l'amènerait je ne sais pas trop où. Grandeur. Donc ça, c'est sa cavalerie, hein. Est-ce qu'on pourrait placer nos frondeurs là? Oui, on pourrait placer nos frondeurs là. On va les placer là. Parce que là, il n'y a pas de chemin, hein. Non, il y a des croix rouges partout, donc s'il veut faire le tour, ça veut dire qu'il va être obligé d'arriver par là. Cavalerie italienne. Ce qui n'est pas nécessairement gênant. Donc on va envoyer en speed. Au pas de course. Ok, alors d'avoir une impossibilité ici, d'accord. Donc mettez-vous là. Cavalerie italienne. La cave, on va la mettre là, en mode escarmouche. Donc là malheureusement on n'a pas réussi à tirer, mais on devrait pouvoir allumer tout ce qui va se passer, tout ce qui va passer. On va envoyer de l'unité lourde dans le coin parce qu'on dirait que nos lanciers vont avoir un petit peu de mal à arriver à temps. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ah, on dirait qu'ils se concentrent sur ma cave. Non, ils changent d'avis. Ok, il charge mes lanciers. Excellente idée les mecs. On va envoyer un petit peu de renfort. Donc ici normalement on devrait, voilà, on devrait pouvoir les harceler pendant qu'ils passent. Ce qui est bien sûr excellent. Là on a eux qui leur tirent dessus ou pas? Ouais, on leur tire à peu près dessus. Manque de précision tout ça les gars. Ici par contre on se fait plaise. Donc là il a décidé de faire demi-tour avec ses frondeurs. Il ne sait pas trop quoi faire. Ça nous va, hein. Nous on continue de le harceler là. Et par contre effectivement il va falloir qu'on arrive... qu'on envoie eux là-bas. On va leur enlever leur mur parce que mine de rien ça se rapproche là-bas. On lui fait mal, hein. Ça c'est cool. Alors la cave, on va la détacher. Elle va venir ici, la cave. Pour s'occuper éventuellement de ces gens. C'est pas vous que j'ai demandé de bouger, là? C'est qui que j'ai demandé de bouger? Merde, on dirait que je leur ai demandé de bouger, mais comme je leur ai donné l'ordre de... Comme je leur ai donné l'ordre d'enlever leur bouclier, ça a mis le mouvement. C'est bien dommage. Vous courez aussi par là, s'il vous plaît. Donc ici, on continue de tirer sur son général et tout. Tant qu'il reste sous nos tirs, on s'en fout. Hein. Là, on pourrait se mettre ici, mais ça n'a aucun intérêt pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est qu'on tienne la ligne. D'ailleurs, on va mettre une unité juste ici pour pouvoir bien tirer sur les cons qui traînent. On va envoyer eux parce qu'il va falloir qu'ils arrivent avant que les lanciers là qui traînent un petit peu. Là ils vont se briser sur nos lanciers. Ce qui est bien sûr parfait. Alors on va jeter un œil de l'autre côté. Comment ça se passe de l'autre côté? Beaucoup de frondeurs qui font rien. Est-ce que notre cave serait... serait à même de se débarrasser de tout ça? Il y a quand même du monde, hein. Ils sont pas très nombreux après. Nos frondeurs sont occupés là. De l'autre côté, malheureusement, on peut pas trop charger. Dans le sens où il y a beaucoup de monde. Donc vous, je vous veux ici. Vous, je vous veux là pour pouvoir tirer sur ce qui se pointe. On a moyen de faire le tour par les bois, mais c'est pas très intéressant. On va envoyer la cave
S'occuper des frondeurs, après tout ça reste des frondeurs. Hein. Ici, nos frondeurs à nous font bien le taf. Très très bien le taf même. Je pense que cette cave est capable de s'occuper de ces frondeurs là. Alors ici on se fait tirer dessus. Normal. Donc il y a les Peltas qui vont faire chier. Ah ici ils résistent hein. On va leur envoyer des renforts. Voilà. Ouais, là malheureusement... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Calmez-vous les gars. Non, non, vous revenez juste comme ça. Voilà. Alors il y a une unité de lanciers qui se barre, je ne sais où. C'est que du lancier milicien, donc c'est cool. Donc ok, là parfait, on a réussi à les faire tomber. Donc on va continuer de les poursuivre pour pas qu'ils ne se reforment. Ça c'est nickel. Ah, ça y est, là il a décidé de s'arrêter, de se mettre à tirer. Mais après ces mecs se font littéralement défoncer. Donc là, malheureusement... Les frondeurs font le taf de loin, alors ici il va nous falloir du renfort. Vous du coup faut que vous pointiez par contre. On a quoi qui charge ici? On a du lancier milicien et de l'épéiste de base. On devrait probablement pouvoir gérer. Sachant qu'ici on tire dans le tas. Les hommes sont hésitants. Ah vous êtes hésitants les gars? Bah non, faut pas. Général, viens ici, on a besoin de toi dans le dos là. Allez, en avant. Voilà, ça devrait aider un peu au moral. La cave. La cave, elle a fait son taf, donc elle va s'occuper de ça en speed. Ah, les lanciers ça bien souffre un petit peu mine de rien. On a plus l'habitude de les voir perdre des troupes les mecs. Donc là les Peltas hein, c'est eux qui font le plus mal. Est-ce qu'on pourrait pas leur tirer dessus d'ailleurs? Je suis pas sûr. Ouais, peut-être. Voilà, ça commence à céder. On va pouvoir commencer à charger. Donc il a une unité ici qui fait je ne sais quoi. Là, la cave fait le café. Eux ils commencent enfin à se dire, ils sont plus que 30 sur 120 quoi. Ils commencent enfin à se dire que c'était une idée de merde de rester dans le coin. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ok, donc là c'est géré. Voilà, donc on va se pointer par là. Alors là on va charger leur... leur saloperie. Vous avez plus de munitions, donc vous allez rester dans le coin. Et lanciers vont s'occuper de ça. Vous allez faire le tour par là-bas plutôt. On va essayer de choper les mecs qui s'enfuient. Puisque pour une fois on a de la cave, on va essayer de s'en servir. Donc là, vous chargez. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ok, donc ici les frondeurs, ils ont fait leur taf. Il nous reste plus qu'eux qui ont quelques caillasses. On va aller leur demander de se mettre là, des fois qu'ils pourraient aider un peu, mais j'y crois pas trop. Mais lancier sabre en armure, hein. Totalement serein toujours. Ok, donc là ça s'est définitivement cédé, donc on va tant pis, on va charger dans les frondeurs plutôt. On essaiera éventuellement de les poursuivre plus loin, mais il faut d'abord qu'on en finisse avec la bataille. Il nous voit venir, il envoie quelques troupes pour nous accueillir, mais on va les défoncer. Donc on se souviendra que cette cave est tout à fait à même de s'occuper des frondeurs, hein. Ils ont même pas perdu une unité.
ça c'est des en avant. Vous vous courez un peu. Donc il reste les peltastes qui résistent ici. Je vous ai pas demandé de courir, vous ? La bataille tourne en notre faveur. Ah bah oui, je veux bien qu'elle tourne en notre faveur. Alors, cette fois on va la continuer puisqu'on a la chance d'avoir de la cavalerie. Et on va charger bah, sur ces cons. Hein. En avant les gars. Général ennemi est mort. Ah, c'est pas très loin de la limite, mais je pense qu'on devrait quand même pouvoir en rattraper quelques-uns. Une bataille, une bien belle bataille, hein. Très clairement. Si on va essayer de les poursuivre un peu pour en capturer quelques-uns, ça mange pas de pain. Voilà. Ça va faire plaisir avec de la cavalerie, on va pouvoir vraiment dépiauter leurs unités. Parfait. Ensuite on se fera cela. Après ouais, c'est pas de la cavalerie ultra efficace, mais ça fait quand même bien le taf. Plus comme ça ils gagnent des niveaux. Bon, ici ils sont encore nombreux, on va aller s'en occuper. Ça c'est quoi ça? Les frondeurs, ouais. Après il a que des unités de merde hein, donc même si on n'arrive pas à toutes les choper, c'est pas très très grave, franchement. On va juste essayer de faire en sorte qu'elle soit suffisamment faible pour qu'il soit obligé de se replier, sinon ça lui servira à plus rien son armée. Ici 20, ici c'est encore une trentaine là. J'arrive pas à voir là. On doit plus rester grand chose. Allez, occupez-vous de ceux-là. Oh, ils sont plus que 6. Bon, par contre, on voit bien que... Ah non, c'est les lanciers sabiens qui sont devant, tiens, j'aurais pas parié sur eux. Ah non, mais ils sont arrêtés, ok, c'est pour ça. Ouais, bah non, mais arrêtez-vous, les gars. Ça suffit, vous avez bien assez fait votre taf. Alors, est-ce qu'il y aurait des trucs atteignables? Ouf, hein. Ici, ils sont plus que 9, peut-être ça, là. Oh, 74 frondeurs ici, ça serait pas mal de pouvoir les diminuer un peu. C'est le côté un petit peu moins fun de la bataille, mais bon, il faut se le taper si on veut éviter d'avoir des armées partout dans la tronche. Ouais, globalement on a bien tenu, bon il a toujours fait des mouvements un peu bizarres, je sais pas trop ce qu'il a foutu dans ce coin là, mais... Je pense qu'il a dû vouloir joindre son armée et le pathfinding a un peu galéré dans la... Dans la ville, je crois que ça. On va pas se plaindre, hein. Ça nous arrange. Donc voilà, on va terminer ces frondeurs. Je pense qu'on sera bien. Hop là, refermez-vous dessus. Parfait. Ici, ouais, ici ils sont proches de la limite. Ça vaut pas le coup. De toute façon, ils sont à poil. C'est de la merde, c'est du ancien mission tout pourri. Ah bah il reste un frondeur là-bas, ça que vous me dites. Ah oui. Bon, allez, on va s'arrêter là. Victoire de justesse. Ok. J'ai pas trop eu l'impression, mais... Notre CAF qui a fait 642 victimes. Hein. Les lanciers sabins en armure, toujours au taquet. 204 victimes, ils ont eu quoi, 10 morts peut-être. Aucun problème. Faites-le courir. Bah ouais, on a bien fait courir l'ennemi, pas de soucis. Donc globalement, son armée va peut-être pas être rasée, mais pas loin, je pense. Là, ils ont réussi à tirer un javelot qui a tué un frondeur. C'est bien joué.
Et on se retrouve donc pour la suite de notre aventure. Donc j'ai malheureusement dû rejouer la bataille, hein, parce que le jeu avait crashé juste à la fin de la bataille, donc j'ai quand même gardé celle d'avant. Je l'ai rejoué en speed. Comme de vue, ça s'est pas passé exactement pareil, hein, notamment notre cave a un peu plus souffert. Mais c'est pas grave, on a gagné quand même. Et du coup, j'ai bien envie qu'on les envoie en esclavage pour se venger de leurs conneries. Ça leur apprendra. Alors, reprenons du coup où on en était. Donc nos autres ennemis, pour l'instant... Ah, lui il doit nous faire un truc avec un espion qu'on ne voit pas. Parce qu'on ne voit pas bouger mais que c'est un peu long. Et ici, il nous envoie du monde. Très très bien. Ses agents commencent à se barrer. Ah, ça veut peut-être dire qu'il va orienter son attaque par là. On va voir ça. Alors, une nouvelle intrigue s'est développée. Mission diplomatique. Ah oui, on avait envoyé un mec en mission, c'est vrai, je sais plus où. Chez Tarquinia. Il est revenu avec un érudit célèbre, taux de recherche amélioré pour l'arbre des technologies civiles. Et on a notre seigneur de guerre qui est revenu. Quelqu'un a essayé de corrompre une armée. Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a éventuellement à découvrir? Donc on a quasiment fait le tour, hein, techniquement. On va essayer d'aller par là-bas, voir si on n'a pas des gens qui pourraient commercer. Mais on a fait le tour des côtes. Alors ici on a de l'usure. Tiens donc. Ah mais oui, on avait toujours le siège en cours ici, je l'avais complètement oublié, c'est con. Autant pour moi. On va commencer par essayer d'assassiner elle. Voilà. Et du coup, alors ça va peut-être faire un peu une grosse bataille pour cet épisode, donc on va faire la gestion du reste et on lancera l'assaut au début du prochain. Donc ici, ah oui, ici j'avais détruit ça, très très bien. On répare ces trucs là. Donc là on va falloir qu'on attende un petit chouïa que que ça se calme au niveau ordre public et compagnie. Ouais, si, il nous faut de la bouffe, donc on va réparer ça. Ici il nous faut de l'ordre public, on va donc faire une enceinte sacrée. Ici on peut le convertir en logement des artisans, ce truc là, on va le faire. Le logement des artisans, il peut faire quoi? Plus de trucs pour le recrutement et plus de richesses. Donc on en a déjà un, ça va peut-être suffire. Donc on a une belle province de recrutement encore ici. Hein. On va partir sur de l'ordre public parce qu'il va nous en falloir. Donc ici on convertit tout. Mandura, toujours aucune garnison malheureusement. Ici toujours aucune garnison, il n'y a pas d'armée qui menace, mais comme il va y avoir de la rébellion, il faut qu'on tienne un peu la ligne. Donc ici, on peut s'occuper de se débarrasser de cette armée là. On va le faire. Hop là, donc on l'a fait en auto, hein. Pas la peine de faire dans le compliqué. On s'en débarrasse, on fera une de moins qui se balade par chez nous. Et on se replie en ville. Alors, il y a une autre armée qui arrive par derrière. Mais c'est une armée dont on se fout totalement. Donc ici, il faut qu'on fasse tomber ce siège. Avant de prendre plus d'usure. Et qu'est-ce qu'on a eu de beau? On a terminé les constructions. Les piratilleries ont été détruits, c'est tant mieux. On a de l'entourage un peu partout. Une armée ennemie bat en retraite. On va faire un petit tour de l'entourage de nos troupes, tiens. Donc toi t'as quoi? 10% de chance, c'est pas mal. Toi t'as toujours la sorcière qui fait que tu récupères plus vite, ce qui est pas mal étant donné que tu n'arrêtes pas de crever. Toi t'as quoi? Plus 10% de chance, c'est parfait. Aussi. Alors lui, il a un truc de morale.
On va te donner ça plutôt, plus de recherche. Ici, plus d'ordre public, c'est pas mal. Ici, plus d'ordre public, c'est très bien également. Toi, t'as quoi? Pareil. Plus d'autorité, plus d'ordre public, on est bien. Plus de morale. Est-ce qu'on a mieux? Non, on n'a pas mieux. Et cette armée-là, notre petite armée du Versacrum, on est bien. Ok, on est pas mal. Alors, notre mec qui était parti en mission. On peut pas se permettre cette action probablement parce qu'on n'a plus les sous. Donc on a une fille ici, ça sert d'être un garçon. Au niveau loyauté, 4 de loyauté, c'est pas mal. Tu peux adopter des gens, mais on pas très utile. On va le renforcer, lui. Un petit peu moins d'entretien dans l'armée du Versacrum, ce sera toujours ça de pris. Toi, tu peux faire quoi? Complimenter. Ou provoquer. La probabilité d'un accident politique pour les 4 prochains tours. On va essayer de provoquer ce mec. Ça a réussi, parfait. Donc on a une petite chance que la grosse brutasse d'en face décède. Donc ça nous fera un général de moins. Hein, mais c'est pas grave, c'est la politique, c'est comme ça. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Bah du coup, avec la coupure, je sais pas exactement quelle taille il fera. Mais on arrête là, comme ça, dès le début du prochain, on lance l'attaque ici. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Désolé pour le petit crash. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.